Bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster, jouer à un Nerf. Aujourd'hui on présente pas un Nerf, mais plutôt une cible électrique, voire électronique. Le jeu Shooting a Target. Et c'est particulier cette petite boîte les amis, parce que comme je l'ai mis dans l'espace communautaire de notre chaîne YouTube et sur le Facebook, voici le premier article en rapport avec les blasters qu'une entreprise nous offre pour faire une review, qui travaille en partenariat avec Amazon, donc vous trouverez ses produits sur Amazon, le lien sous la vidéo. Ça présage peut-être d'un éventuel partenariat avec ces personnes-là. On verra par la suite s'ils nous envoient d'autres objets. Alors ça vaut 18 euros. Bon, bah je me dis à ce prix-là, c'est pas trop cher. On va voir ce que ça donne. J'en ai entendu des vertes et des pas mûres sur ce genre d'article. On va le tester en toute objectivité. Hein. On va voir ce que ça donne parce que j'en ai jamais eu dans les mains de ce genre de choses. La boîte est de bonne facture. Elle est bien costaud, tu vois. Elle arrive en bon état. C'est pas toujours le cas. Attention, hop. Allez. On découpe le scotch, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Eh, c'est pas souvent qu'on me fait des cadeaux, alors j'en profite. Hein. C'est un kit en fait. C'est assez énorme. C'est énorme. Bientôt, je vais kiffer. Attends. Donc déjà, il y a un tournevis. Oui. Oh, une notice en français dedans, c'est bon. Nom du produit, cible électronique mobile. Taille du produit, 24 par 17 par 11. Et donc on a les trois petites cibles en plastique dur, qui ont l'air bien costaud. Pas d'autocollant collé dessus, c'est très bien. Le boîtier principal avec une petite carte de visite. Bon, a priori c'est une carte pour gagner quelque chose, je sais pas. Ah, c'est une carte à gratter pour essayer de gagner quelque chose. Attention, je gratte. A priori j'aurais gagné un bon d'achat de 15 euros. Que du bonheur. Bon, on a aussi alors une pochette avec un bracelet pour avoir des fléchettes d'emport sur ton bras. Bon, c'est sympa les cibles, hein. Moi je sais que ça fait des soirées apéritives sympas avec les copains où tu mets un petit blaster sur la table et puis tu t'amuses avec un petit blaster à tirer sur les cibles. Eh, regarde, c'est pas mal ça. Ça a l'air plutôt costaud. Moi je suis un peu bourrin. Allez, un bracelet pour mettre des fléchettes. Attention, je mets des fléchettes. Bon, il y en a un deuxième bracelet hein, pour mettre des fléchettes. On a... Alors ça va me plaire, dis donc. Et pour 18 euros, t'as pas mal de trucs quand même. Hein. J'ai encore des fléchettes, type AQ-Strike un peu, tu vois. Tu vois, ça va tirer plus droit ce genre de fléchettes. 10 fléchettes rouges, 10 fléchettes bleues. Donc c'est bien parce que pour faire du tir sur cible, je vous cache pas que vu que c'est petit, pour tirer là-dessus, c'est mieux d'avoir des fléchettes un peu plus précises, type AQ-Strike ou type fléchette fournie. Tu vois, c'est bien. Et il y a un dernier goodies, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est le cadeau? Tout ça, c'est le même paquet. Hein. C'est un, ouais, c'est un format avec plusieurs choses dedans. Ah ouais, regarde ça. Un tour de cou. Hein, on est période masque un peu en ce moment, si malheureusement. Ça se paie pas comme ça, parce que là, tu vois plus rien. Hé, hey, badass, hein. Et tu te protèges des fléchettes quand on te tire dessus qui te flaquent les joues, c'est sympa. Ah, la même chose. Voilà, deuxième tour de cou. C'est un cadeau sympa à offrir à quelqu'un qui aime bien jouer avec des nerfs, faire des tirs de cible avec les copains. Bon, pour faire une synthèse, on a deux bracelets porte-fléchettes. On a deux tours de cou badass avec des visages très méchants. On a une cible. On a 20 fléchettes type AQ-Strike, donc un peu plus précise. Un bon d'achat de 15 euros. Est-ce que c'est pour tout le monde ça? Je ne sais pas. Alors, la cible, que finalement c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc comme vous pouvez voir, la cible, elle s'ouvre, elle se ferme. On va tester. Parce que moi on m'a dit, ouais, c'est de la camelote, tous ces trucs et tout. Enfin, je teste là, hein, je fais pas semblant, tu vois. Faut mettre des piles. On va commencer par là. Donc maintenant que j'ai dévissé, tu vois, tu ouvres ton petit clapet ici et tu accèdes au compartiment des piles. Donc c'est trois piles AA. Tu vois, j'ouvre le clapet, je remets mon cache, je remets la vis. Trop de suspense ici. Voilà, on met les cibles sur les petits étous. Vous voyez, regardez, ça se clipse tout simplement. Donc... on met le côté dessiné des cibles du côté où vous voyez le petit écran digital.
comme ça, dans ce sens-là. Bon, ça a l'air plutôt costaud, écoute, hein, de ce que j'en vois là. C'est bon, c'est du plastique, hein. C'est du made in China, quoi. Donc je vais mettre on. Avec ça, ça me fait kiffer, moi. Bon, donc comment ça fonctionne? Bah, c'est simple, vous allez tirer sur vos cibles. Ça fait un bruit, vous entendez? Et elles s'en mettent toutes seules. Et à chaque fois que tu tires, ça fait des nouveaux bruits. Ça se remet. À chaque fois que les trois cibles sont tombées. J'adore. Ça se remet. Donc en fait, à chaque fois que tu en as fait tomber 3, tu gagnes 1 point. Quand tu arrives à 30 points, ici, ça se réinitialise et tu pars à 0. Test au bout, hein, c'est pour voir la résistance du truc. Hein. On va faire, donc ça c'était le mode 1. On va faire le mode 2. Donc regardez bien ce qui va se passer. C'est plutôt rigolo, bougez pas. Mode 2. C'est pas un truc de ouf, ça? Hein? Moi, ça me plaît, ça. Attention. Jackpot! Donc, le cycle 2, bah, je viens de manipuler. T'as en fait entre 15 et 20 secondes pour faire le score, hein, pour descendre tes 3 cibles. Et franchement, c'est rigolo. Alors, ça bouge, tu vois, ça va être encore plus dur à tirer dessus que tout à l'heure quand ça ne bougeait pas en cycle 1. Bon, c'est vraiment rigolo, hein. C'est du coup là, ça fait toujours des bruitages. Et là, si je perds, vous allez avoir le bruit de la défaite. Attention, vous êtes prêts? Perdu. Donc je reprends pour faire une synthèse. On a 2 cycles de jeu, un cycle où les cibles, va falloir les dégommer une après l'autre pour gagner. Et vous allez, et celui qui gagne, c'est celui qui arrive à 30 points. Voilà, on pouvait faire chacun votre tour, ça peut être rigolo, ou avoir plusieurs cibles, tu vois, et le premier qui arrive à 30 points, il a gagné, c'est génial. Après, le deuxième cycle, ben, vous avez les cibles qui bougent de gauche à droite, et vous avez entre 15 et 20 secondes pour les dégommer, voilà. Je trouve ça très drôle, tu as 2 façons de jouer, donc on va quand même aller voir comment ça fait avec des vraies fléchettes, parce que là, je tape dessus. Allez, on tire avec des vraies fléchettes. Bon, allez, on tire à 3 bêtes. C'est parti. Yes. Yes, presque. Yeah. Yes, I. Yeah. Du coup, l'ensemble des cibles s'est remis à fonctionner, à redémarrer un cycle de entre 15 et 20 secondes, une fois que j'avais dégommé les 3 cibles. Bon, bah vous avez vu, c'est rigolo, faut pas être trop loin pour tirer dessus. Comme je vous disais, vous pouvez faire plusieurs cibles et vous êtes plusieurs potes. Le premier qui a gagné les 30 points, il a gagné. Enfin, il y a des jeux à faire. Ça peut être un délire quand on est entre amis pendant un apéritif sans alcool, bien évidemment, hein, la fête est plus folle. Bon, la conclusion, les amis, bah, merci en tout cas à la société dont le lien est sous la vidéo de m'avoir offert ce magnifique jouet. Bah, on va quand même jouer pas mal avec, je pense. Alors, en sachant qu'on a tiré aussi dessus avec des rivales et des vortex et des mégas, bah, faut juste être un peu plus loin pour tirer avec du rival, ça évite de tout éclater. Écoute, pour 18€, j'ai envie de te dire, on prend pas trop de risques. Et vous avez vu, c'est très ludique. Il y a quand même pas mal d'idées de jeux qui me viennent, moi, avec cet appareil quand je l'ai dans les mains. Pour les Blaster Games, bah, je vais avoir des bandanas pour jouer. Je vais avoir des fléchettes en plus. Et les fléchettes fournies sont à la même dimension qu'une fléchette élite standard. Regarde ça. Pour l'instant, j'ai pas mal tiré avec. Elles sont assez costauds. Et c'est des fléchettes comme les AccuStrike, un petit peu plus lourdes. Et du coup, elles vont un peu moins loin que des fléchettes élites. Je vais avoir des bracelets pour porter des fléchettes. Oh là là, bah dis donc, ça les écrase un peu les fléchettes. Hein, c'est pour... Moi, ce que je vois, c'est que tous ces petits accessoires qui sont fournis avec, bah tu vois, que tu sois grand ou petit, bah tu vas pouvoir t'en servir. Ce qui est plutôt positif, les amis. Rien de plus, les amis. En tout cas, merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. Et à bientôt sur la chaîne Blaster Joie à Nerf. Yeah.